piège droit devant. Une mimique. Attention, bas. Tu parles de ça? Les jeux, putain! Ok. Je vois que dalle. Je pensais que c'était le coffre, le piège, pas... Je vois rien, je vois rien. Spoiler. Ah, les boules, putain. Ah, ça m'a vraiment fait peur. Putain de merde. Ah, les gros bâtards. Ah, les gros bâtards. Ok. Bon, maintenant que le trou est fait, j'imagine que j'ai au moins de récupérer le coffre. À moins que le coffre soit piégé aussi. Péril. Ok, voyons voir. Non mais laisse-moi ouvrir. Viande de tortue en saumure, hein. Ok. Bon, ça a l'air d'être un donjon ici, hein. Eh bien, pourquoi pas écouter, hein. Le monde des cavernes insondables. Notre route nous amenait ici, hein, donc partons ici. Après tout, l'objectif c'était d'aller au pont du sacrifice d'abord. Je pense qu'on va sonder un peu ici, peut-être se diriger vers la côte pour cartographier un peu ça. Là, je pense après qu'on pourra éventuellement se diriger vers le dragon et enfin au château de Voilorage. Mais ouais, voyons voir déjà. Hein. Ok, bon déjà, il y a un truc d'invocation. On a vu qu'il y avait des rats. Quelque chose d'incroyable. Manque cruel de Ami. Oh, y a un boss. Putain, je viens tout juste de sortir d'un boss fight de 2 heures. Et je m'en bouffais un autre. Ok. Ce sont bel et bien des rats. Je me souviens, un des catacombes, enfin des caves dans Dark Souls 1, rempli de rats. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Arc runique. À l'utilisation, octroie la bénédiction d'une rune majeure équipée. J'ai pas de rune. Spoiler, hein. Oh, pas mal ça. Ok, donc on a un truc pour activer les runes, mais on n'a pas de rune. Les runes majeures, du moins. Mais Richon, ne lâche rien. Oh, le mec il crache du feu quoi. Il y a un truc là-bas. Ok, il y a une grâce. Et c'est feu. Ok, il y a un mec qui est en train de tirer à l'arc. Alors je vois qu'évidemment on a envie de prendre la grâce, mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de cibles sur mon chemin. Oh, il y a un gros. Putain. J'ai envie de poule le gros. Oh, il est pas content. Je suis coincé. Oh, les dégâts. Oh, il est coincé, regardez. Oh. Ok. J'ai complètement cheese, mais je m'en fous. Je vous avoue que je m'en contrefous. Ok. Est-ce qu'il reste des gros? Moi, je veux la grâce, hein. Tu veux te la mettre? Attends, pourquoi les rats sont toujours dégueulasses? C'est insane. Allez. Ah non, c'est mes runes! Oui, bien sûr, puisque je suis tombé de là. Bon, là, c'est éclairé, à défaut. On va peut-être pouvoir utiliser notre shield. Ouais. Espace de quelques instants, du moins. Ouais, lui, il a raison à essayer de les poules. Je vais suivre son exemple. Ah, mais c'est des petits! Ah, mais on voit que dalle dans cette obscurité.
Ok. Pierre lumineuse, ça pourrait servir. Hein. Oh oui, des cuicris, ça c'est cool. On va les garder pour le dragon. Définitivement, ça avait bien servi. Plus j'avance, plus je me dis que c'est une mauvaise idée. Hein. Bah écoutez, hein. On va essayer la fameuse pierre lumineuse. J'en ai pas. Attends, enfin, si j'en ai, mais faut que je les équipe. Ok. Oui, on va. Ok. Je vous avoue que je suis moyen chaud là. Je vous avoue que là j'ai un petit peu peur. Parce que j'entends un truc respirer. On va y aller tout doux, hein. Il y a un gros truc qui dort là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un putain d'ours? Est-ce qu'il a le wifi, là? Oh putain, il y a un énorme ours. Ok. Moi, je dis... Oh putain. Ok, il a le wifi. C'est un mur. Oh putain, c'est un boss. Ok, oui, c'est bien sûr que c'est un boss, mais... de boss fight de 2 heures, je tiens à le rappeler. Calme-toi. Non mais on peut être pote, hein. Merde, c'est ma pierre runique. Bon, on sera... Ah. Mais non, mais... Oh. On voit des choses, hein. What the fuck. Eh bah, c'est parti, hein. Combattons l'ours au fin fond des cavernes insondables. Oh non, on recommence là. T'as la taille de l'ours. Par pitié, quoi. J'explore un peu, puis je tombe sur un boss fight et... et c'est genre de nouveau 2 heures. Oh, le bâtard. Non, mais faut pas que je prenne de dégâts. Y'a un ours, bordel. Oh là là. Comment je vais faire? Bon, ça se trouve, il a pas beaucoup d'HP, hein. Ça se trouve, ça va être facile. Vous savez, ça ne sera pas le cas. Non. On ferme des lucioles. Oh! J'ai ramassé autre chose, je crois. J'ai pas fait gaffe à quoi. Oh, puis là, il va être réveillé de base quand je vais arriver. Mais c'est ça qui est cool. Dans ce jeu, je tiens à dire, hein, c'est que... Dans les autres Dark Souls, le mur de brume, il y est de base. Tandis que là, on explore, d'un coup on tombe sur un truc, et paf, c'est un boss fight. Et là, le mur de brume est installé. C'est cool, parce que ça donne le côté découverte un peu et mystère. Et flippant surtout, hein, parce que là, voilà, je suis tombé sur l'ours, j'étais en mode, oh putain, what the fuck, et bah... C'était un boss. Où sont mes runes? 2 secondes, bro. Il a beaucoup d'HP. J'arrive même pas à le lock en fait. Ah, ça a l'air d'être faisable en plus, mais. Il a tellement d'HP. C'est la technique Smoog. Il faut se mettre dans son corps et il peut pas nous toucher. Bon, là il va me toucher, mais pour me contredire, évidemment, mais. Ah, ils se retournent vite, putain. Oh, c'est faisable, hein. Oula, oula. Ah.
Ah, la charge. Voilà, il prépare un truc. Ah, dommage. J'ai pas assez de dégâts. En vrai, j'utilise pas la parade en vrai. Hein. Je pourrais totalement prendre mes deux lames. J'utilise absolument pas la parade. Déjà, si j'avais... Si je faisais pas le con et que j'avais mes... Comment dire... Toutes mes fioles quand j'arrivais et que j'avais plus de dégâts, en vrai, je pense que ça se passerait mieux. Examinez. Ah, d'accord. C'était pas le cas? Bah, bref. Moi, je veux le gros. Ah, mais non, je suis à cet endroit-là, ouais, ok. C'est plus bas qu'il y a le... C'est plus bas qu'il y a le gros pépère. Ah, attendez. Le gros pépère, il est là. Eh bien. Oh, t'es pas content. Oh, t'es pas content. Coucou. Non, mais viens. T'es malade. Oh, je me suis coincé. Oh, je grille tellement. Pff. Bah ouais, bah non, du coup. Hein. Du coup, pour les trois astuces à l'ours, on oublie, hein. Faudrait que j'ai plus d'astuces aussi. Hein. Mais on n'a pas encore trouvé comment en obtenir plus. Dans les Dark Souls, avec les âmes de prêtresse du feu, là. Qui sont un item extrêmement limité. Et aussi le truc pour améliorer nos fioles. Hein. Mais là, on a ni l'un ni l'autre. On a des fioles de base et on en a que trois. Hein, donc, c'est vrai que pour l'instant... On est très limité en termes de soins. Ok. Ouais, on va essayer. On a vu que c'était pas trop difficile d'esquiver ces attaques. Oh merde. Oh ouais, pff, n'importe quoi. Hein. Bon, bah, ça va être de l'entraînement. Hein. Je suis pas sûr qu'on se le fasse. On va essayer double épée et puis on va voir. Allez, voyons voir. Ah, la charge par contre, ouais, c'est pas cool, la charge. Non, 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 y'a mes runes, y'a mes runes. Oh, t'as pas le droit. Laisse-moi me soigner, même si je te vois pas, voilà. Je suis au sol, là. Ouais. Esquive! Oh, j'avais plus d'endurance. Oh, en vrai, c'est totalement faisable. Si je fais preuve d'un peu de patience sur le chemin et que j'arrive avec trois astuces et que je fais un peu plus gaffe, c'est totalement faisable. Après, j'ai pris tous les items qui étaient présents ici. Hein. Donc, il doit avoir un item qui loot lui. Mais ouais, non, c'est faisable. On va juste faire attention. On va y aller tout doucement, histoire d'avoir deux, trois items de soins. On va essayer de pas paniquer aussi. Je sais pas combien d'âmes... Il y a en jeu à chaque fois qu'on arrive. Tenez, on va peut-être même invoquer les loups, au moins pour les rats. Ça aidera en vrai. Ok. Ensuite, on va pull le gros boy. Hop! Que j'ai perdu un peu de vie. Mais t'es spawn, dis donc. Distance ou temps d'invocation? Je réalise là. Hein.
Bon, en tout cas, on se fait masse rune, c'est l'essentiel. Ok, réessayons. Sans le bouclier, je crois que c'est pas la peine. Allez, on va faire nos runes tout de suite. Ok. Qu'est-ce que je fais? J'ai plus d'endurance, je fasse gaffe. Wow. Oh putain, la charge! La charge, c'est une saloperie, hein. Oh, il va me taper! Non! Oh, il m'a attrapé! C'est une grab! Oh non! Je suis vivant, c'est un miracle! Oh merde, je suis nawak! Oh la charge! Va falloir que je me fasse à la charge! Oh! Ah, saleté! Ah, saleté! C'est quoi l'item là? Il y a un truc? Ah, oh, vas-y, putain, j'ai pris des dégâts, fais chier. Bah ouais, bah là, ça va être compliqué, hein. On part avec deux astuces pour l'ours, hein. Ah là là! Oh là là, plus je fais la wack. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Pff, ouais, je suis tilté, je pense que. Faudra que je. Je pense qu'il va falloir une petite nuit de repos, hein, pour l'ours, et puis et puis on réessayera demain, hein, parce que on va retenter là, bien sûr. Hop. Après, on va dire que je suis fatigué aussi, puisque je me suis tapé un boss fight de 2 heures. Rappelons-le. Mais voilà, réessayons quand même. Déjà récupérons nos runes. Ah ouais, je grid trop. Je grid trop et j'ai pas assez d'endurance pour grid. Ni assez de dégâts. Nom de Dieu, qu'est-ce qui tank ce truc? Oh, y'a un item là encore. Qu'est-ce qui tank, la vache? Je commence à me demander si je vais pas revenir plus tard pour celui-là, hein, parce qu'il a vraiment beaucoup d'HP. Hein. Je lui fais vraiment pas beaucoup de dégâts, lui. Hein. Attendez, comment on fait les marqueurs déjà, les repères? 2 sur 100, on peut mettre 100 repères. C'est marrant. Y'a pas un truc en forme d'ours? On va mettre un crâne, hein, je pense. Non, attendez. On va le mettre bah là. Hein. J'espère que ça m'empêchera pas de me TP, mais voilà. Pour se rappeler qu'il faut qu'on mette un ours ici, hein, parce que là, je pense que je peux pas. Hein. Je pense que c'est du même ordre. Enfin, si, je pense que je peux, mais je pense qu'il me faut bien plus de dégâts que ça. Parce que là, tel quel c'est, non. ouais, sortons, je pense. On va remonter par ici. On va explorer encore un peu plus. C'est quoi ça? Il y a un truc qui s'est marqué sur ma map, là. Rappelons, ouais, donc ouais, j'aimerais voir au moins le bout de l'archipel, et rappelons qu'à la base, je voulais voir ça aussi, hein. L'espèce de phare, là-bas. Mais ouais, on va aller voir ça, là. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est mes âmes. Non, c'est mes runes qui ont été perdues, tout simplement. Oui, bah non, désolé, je vais pas les chercher, hein. C'est mort. Oh, j'entends quelqu'un. Des hommes bêtes. Oh la vache! Ok, ils ont un peu plus évolué ceux-là déjà. Je vous avoue que je les avais absolument pas vus aussi. On manque d'orsettes de craft aussi. Hein. On a pas mal d'items pour craft, mais on a pas beaucoup de recettes. Ça, on peut enfin en faire.
On peut en faire qu'une, mais on va la faire, hein, y a pas de raison. L'eau bénite, ça sera un jour, hein, pas de soucis. Et les flèches enflammées, je crois pas. Ça, il nous faut des comment, voilà. Ça, il nous manque toujours les bêtes sorbiers dorées. Je crois qu'on en a jamais trouvé, en vrai. Et après, on a pas mal de viande dont on peut pas faire grand-chose, si ce n'est les manger directement, je crois. Attendez. On va refaire un peu notre équipement aussi. La récupération d'endurance. Voilà, ça par exemple, ça pourrait être une bonne idée. De l'équiper. Ça c'est pour le cheval, quand on se bat à cheval, mais voilà. On n'a plus de bombes. On peut pas en recréer, je crois. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Les cuqueries. Voilà. Voilà, parfait. Alors, on avait vu un truc qui brillait tout à l'heure. Hein. Je sais pas si c'était juste de la lumière ou quoi. Non, ça doit être juste ce truc là. Qu'est-ce donc? Mais sire, mais qu'est-ce donc? On va faire le tour tranquillement. Hein, on va pas se précipiter. Est-ce qu'il est possible que ça soit un piège? Par exemple, il y a des petits trucs là. C'est des wapiti? Je crois. Lui, il s'y précipite en tout cas. Hein. Bon, qu'est-ce? C'est rien. Oh, attendez, c'est quoi cette baise? Grâce droit devant. Mais. Là-dedans? Attendez, comment ça? Il y a 4 cierges allumées sur... Elles sont pas toutes allumées. Comment on en allume plus? En trouvant des grâces? Attendez. Il y en a combien d'allumés? 4? C'est vrai que c'est étrange ça. Ça sert peut-être plus tard, ça sert peut-être quand on a un certain spell. Il y a une énorme forêt par là-bas. Ouais, je sais pas. Putain, c'est beau quand même, hein. On est en train de remonter l'archipel comme prévu, on va continuer. Hein. Là il y a une forêt d'ailleurs, c'est peut-être la forêt dont parlait la note aussi. Hein. Rappelons qu'on a une note qui nous parle d'une forêt dans laquelle on peut trouver une fiole de salut. La forêt des bois brumeux, au nord des bois brumeux. Alors si ça c'est des bois brumeux, ça serait le nord du bois brumeux et ça serait formidable. On va remonter la route, voir si d'un coup le jeu nous dit bois brumeux. Et si c'est le cas, on saute au plafond. Et on essaie de trouver cette foutue fiole sacrée. Après, qui dit bois, dit champignons, poison et saloperie. Mais bon, on n'a rien sans rien, comment dire. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans des bois, déjà. Et on peut invoquer. Oh putain, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. J'aperçois aucun ennemi. Ruines sylvestres des semi-humains. Bordel. Ok. T'es en train de me dire que c'est pas les bois brumeux. Putain, y a sans doute un item ici du coup. Oh, pourquoi je vois qu'un ennemi? Ça sent le sapin cette histoire. Pourquoi j'en ai vu qu'un? Personne? Mais attendez. Il a forcément des potes et plein qui plus est. Il se balade en troupe ces trucs-là. Ah, c'est un autre joueur, putain, je me suis fait bait. Et c'est derrière, et donc c'est le moment de cheval. Quoi?
quoi tu parles? Complètement bourré. Ok, on va y aller tout doucement parce que je vois que lui, il y a un mec qui est mort là. Pas d'ennemis. C'est ce qui me fait le plus. J'ai envie de dire, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est que je vois pas d'ennemis, mais. Ils sont tous là en fait, il y a des trucs là. J'ai peur qu'ils se lèvent tous d'un coup en fait, et que je me retrouve encerclé. Ce qui est fort possible. Petite phase d'infiltration soudaine. Eux ils dorment. Bon, l'infiltration, ça, on repassera. Hein. Ok. Ok, il y a un gros. Oh, vous vous souvenez de vous? Oh, on se souvient d'eux. Hein. Putain. Vous vous souvenez que j'avais dit que ça deviendrait des ennemis de base? Non. Non. Non, par pitié. Oh j'ai grid. Oh j'ai grid. Par pitié. Non. Il a 5 HP. Putain. J'ai été bloqué si longtemps. Et ma manette se déco, ça fait péter un câble au jeu. Putain. Ah oh, ça fait. Ah oh, ça fait. Ah oh. Ah oh, ça fait si mal. Oh j'ai mal IRL. Et ma manette arrête pas de se déco, j'en ai. Oh. Oh, je souffre. Oh, je souffre, putain. Je l'ai absolument pas vu, le gros qui dormait, là. Ah, vas-y, mais je suis où, maintenant? Oh, je suis si loin. Ouais, il y a un item, ceci dit. Pas qu'un, d'ailleurs. C'est vrai qu'il se camoufle en arbre. Dans une forêt, c'est plutôt pratique, rappelons-le. Oh, vous êtes les pires ennemis, hein. Arrête de reculer, là. T'as du monde qui me refont pas comme dans la grotte. Oh putain, mais ils sont pleins. À m'arriver dessus à 15 pendant qu'il y a un gros. Tu veux te la mettre, toi? Qu'est-ce qu'il y a, là? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ah! J'essaie de le parier. Je n'ai pas réussi. Oula, il y a des plantes, là-bas. Encore. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Non, moi j'ai envie de récupérer mes runes d'abord et prendre ma revanche sur cette grosse saloperie de merde. Tu sais, je pense là utiliser des loups. Attendez. J'essaie. C'est bon. Ok. Bon, on recommence. J'ai absolument jamais vu. Avant qu'il spawn, bien sûr. Il est là? Oh, ah oui, d'accord. Le truc nous montre une caverne, là. Ok, vu. Donc il faut qu'on arrive à les tuer. T'as rien vu, t'as rien vu. Ah, ils sont là. Oh, c'est gentil. Ah, ils ont réveillé le gros. Ok, il arrive. Oh merde, j'espérais être plus malin que ça. Oh, il m'a perdu. Il m'a perdu de vue.
Mais j'ai parlé de vengeance. Trouvez-le, ma jolie. Allez. On va danser, mon copain. Et bourrez-moi, fils de chien. Voilà, enculé. Alors là, toi, je te... Oh putain. Je veux dire, toi, je te donne même pas une chance, mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un boss, ça? Attendez, mais moi, je veux la caverne, hein. Oh là là, mais putain, partout où je vais, il y a des boss. À quand le no hit, no death, all bosses? Ce serait pire que Dark Souls 2 où il y a 48... Je sais plus, il y a 48 boss dans Dark Souls 2, je crois. Là, il y en a 150. Good luck. Putain, alors elle était où la caverne? On la voyait depuis le mur. Ici? Elle est où? Attendez. Déjà, on récupère tous les petits champignons sur notre route, hein, parce que c'est important. Voilà, on a tué le truc ici. Ou alors, faut juste casser? Non. C'est derrière ce mur-là. Donc, derrière ce mur-ci. Donc, faut vraiment passer en cheval, là? Ou là? C'est ici que tu veux que je monte? Je pense. Attendez. Cave souterrain? Oui, bah, je l'ai vu, oui. Oh, merde, je fais de la merde. T'inquiète pas, mais c'est gentil. Comme tu es gentil, je vais te mettre un pouce. Voilà. Tac. Putain, mais... Mais pourquoi c'est si dur? Attendez. Allez. Tu peux le faire. Mais... Hop. Voilà. Ok. On y est. Bon. Quelle est la baise? Quel est... Le rebondissement, disons. Qu'est-ce qui nous attend dans cette cave? Pas de piège en vue, donc obligé précieux droit devant. D'accord. Écoute, je vais te faire confiance. J'ai envie de te faire confiance, tu le sais. Ok, c'est bon. Bouclier de culpabilité. Ouais. Voyons voir. Je me cours de bouton à chaque fois. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'un coup de bouclier, ok. Est-ce qu'il y a un truc pour... Je vais le réaliser. Est-ce qu'il y a un truc pour comparer? Changer d'affichage? Non. C'est pas mal en physique. C'est plus pour la défense magique, c'est ça? Ou est-ce que c'est un bouclier accumule des saignements? Ah, c'est celui qui fait saigner quand on le frappe. C'est ça. Il y avait un équivalent dans... Ah oui, d'accord, je viens de voir. Bouclier réalisé en l'honneur d'une servante qui renaît qui de, dans ses contrées après avoir sauvagement énuclé par les ronces du péché. Dédié au repos de l'âme, ce bouclier améliore la focalisation. Les ronces peuvent servir à attaquer l'adversaire. Vous vous campez fermement derrière votre bouclier et vous jetez tout de votre poids sur vos ennemis, sans pour autant abaisser votre garde. On pousse les ennemis plus faibles et peut même les déséquilibrer. Mais on ne peut pas parier avec ça. On peut pas parier, mais ça peut être pas mal. Hein. Attendez voir. J'ai pas envie d'essayer ce bouclier, en vrai. Bah tiens, on peut comparer comme ça. Ah oui, puissance d'attaque. Ah oui, il est moins bien en termes de défense. Mieux en termes de défense magique. Mais oui, tu peux te battre avec ton bouclier, basiquement. Voyons voir. Ah ouais, je vois le délire. C'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. Il est tout petit. Ah, c'est lent, par contre.
C'est lent et j'ai plus de points de... Bon, après, je peux juste faire ça, mais... On va essayer, vous savez quoi hein, c'est le meilleur moyen de se faire une idée. On va essayer de voir à peu près en situation réelle ce que ça donne. Comment on peut sortir d'ici maintenant, comme ça? Merci, esprit. Alors, il y avait une espèce de grand singe. Hein, j'aurais bien aimé affronter autre chose. Enfin, je veux dire... affronter des petits trucs pour tester le bouclier, quoi. Mais je crois qu'on a tué tout le monde. Hein. Je pense que c'est un boss, ça. Hein. Je veux pas trop m'avancer, mais je pense. Ah, c'est celui qu'on a tué. Lui, il est mort. Appétez la cible nécessaire droit devant. Vraiment? Tu me vois? Yep. Tu veux te la mettre? Ah oui, ce sera fort, hein. Tu te relèves? Ah, il arrive, hein. Ok. Oh putain, il appelle des potes. Bon, déjà, on peut savoir. On sait que c'est pas un boss. C'est juste un monstre. C'est un spellcaster. Ok. Qui a des HP. Bon, désolé, je prends ton item, bro. Bon, c'est chiant. Je vois rien. Je suis dans les fourrés. Oh, putain d'enculé. Oh, ils sont trop. Ils sont trop. Retraite. C'est exactement le même scénario qu'avec les petits cons, là. Ok. Ferme-la, toi, arrête de gueuler, là, tu m'as saoulé. Bon, essayons cette histoire-là. Ah oui, ça permet vraiment de garder, quoi. Oh, tu m'as saoulé. Oh, tu m'as gonflé. Aoua. Bon, il les a tous tués, hein. Ah, il nous en reste un, le loup. Ah, oh. Oh, j'ai plus de heal, il fait chier. Oh, tu triches. Ah, oh, moi aussi, je triche. Réservé pour un dragon. Ah! Bâton de la reine semi-humaine. Putain, c'est un bâton. Et un nouveau spell. Putain, c'est un truc pour les cas. Oh merde! Je crois que j'utilise l'antidote. Oh non, j'ai utilisé le truc d'origine d'endurance. Et volet de cristal. Oh, on apprend un nouveau spell et tout. Ah, oh, si on jouait caster, on serait super content. Hein. Mais on ne joue pas caster. Voyons voir. Volet de cristal. Tire une volée de fragment de pierre d'éclat. Ok. Il est où le bâton? Mais il est où? Attendez. Ah! Arme à distance, eh bah oui. Qui scale sur l'intelligence et tout. Ouais, non, bah c'est pour aller spellcaster. Ok, cool à savoir, ceci dit. Ça serait bien que je tombe un jour sur quelque chose qui ne soit pas ni force ni. Qui ne soit ni force ni intelligence. Hein. Parce que ça, des spells et des grosses armes, des grosses épées, j'en loot. Hein. Mais moi qui voulais partir de l'extérité, je crois que j'ai pris le seul chemin qu'il fallait pas. Bon, le truc, c'est que j'ai pas trouvé de grâce. Il y en a sans doute une pas loin. J'aurais bien aimé, parce que là, j'aimerais bien me TP. J'aurais bien aimé me TP pour utiliser notre pierre de gobelin là. Pour. Un samouraï. Pour ouvrir le mur de brume qui nous bloquait au tout début. On peut faire ça après, ceci dit, hein. J'ai combien d'âmes? 2100, ouais. C'est pas non plus la mort. T'es quoi, toi? Je sais pas ce que t'étais, mais... Mais dans le doute, je tue, hein. Ok. On va juste, je pense, avancer un tout petit peu par là.
essayer de voir si on trouve une grâce, ça serait formidable. Oh oui. C'est pas une grâce, mais c'est pas mal. Sorcellerie et incantation, je m'en fous. Yay! Yay! Wow! Ok, c'est trop bien. Oh! Péter de l'air, t'es qui? Au! Oh! Faisons gaffe quand même, il peut me tuer. Rappelons que je n'ai pas de heal. Ah si, j'en ai. Putain, on a atterri où là encore là? Ça me rend ouf! Oh, excuse! Je voulais pas te déranger, hein. Enfin si. J'en ai rien à faire de ton bien-être. Je veux juste trouver une grâce. Oh, mon arme est nulle. Oh putain, il émet du poison. Non mais les gars, je veux juste trouver une grâce. Il y a un pont, ceci dit, hein. On s'éloigne de la presqu'île que je voulais atteindre. Mais il y a un pont. Admirez pont. Bien, pas de serpent en vue. Il y en a qui ont joué à Sekiro. Hein. Ok. Il y a un bump ici aussi. Oh là. Il y a des trucs pas cool en dessous aussi. Hein. Ok. Oh yeah. Oh là. Oh, c'est un motherfucker. Oh, c'est beaucoup plus facile à cheval, hein. J'aurais dû faire ça dès le début. Non mais oh. Et quel nerf. Par là, c'est une autre route qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Je dois l'avouer. J'aurais juste aimé trouver une grâce. Mais je pense que ça va être compromis parce que là, je reviens... ouais, je reviens par là. Je suis juste en au-dessus. Ah bah tiens. Oh, oh là là, pouah, c'est du génie. Franchement, là, il va... non mais la grâce, c'est ça. Hein. Demandez et vous la trouvez. Hein. Hop, c'est formidable. Oui, ah oh, trop bien, trop bien, trop bien. C'est le même feeling que de trouver un, qu'est-ce que c'est que de trouver un bonfire dans Dark Souls en vrai. Oula, ça a pas l'air fameux cette histoire. Hein. Qu'est-ce qui se passe par ici? Qu'est-ce qui se passe dans vos contrées, là? Ils sont juste en train de boire, en vrai. Putain, le fait que le bouton d'ouverture de la map, quand on rappuie dessus, ça ne ferme pas la map, ça me rend fou. Ça fait ça. Je le fais strictement à chaque fois, et strictement à chaque fois, ça me rend fou. On peut pas monter le niveau, je pense. Hein. Non. Ah, on n'est pas loin. Ah, attendez, si, on peut. Ça, c'est grâce au rat. Hop. Voilà, mettons-nous des points en force. Je pense qu'on va... Pour l'instant, l'épée du limier me plaît bien. Il y a sans doute mieux, hein, mais... voilà, comme dit, c'est la première fois que je joue, donc tant pis. Eh bien, salut à toutes. Salut à tous. Ici Sakon, mythomane et briseur de promesses connues. Et aujourd'hui, on termine Elden Ring, je vous le garantis. On s'était laissé... à ce site de grâce qu'on avait trouvé miraculeusement. Voilà, c'est un nouveau jour hein, pour moi, bien sûr. J'ai dormi, entre-temps. On avait trouvé, ouais, c'est ça, les petits chiens qui boivent. Et je voulais faire plein de trucs aujourd'hui. Étonnant qu'il n'y ait pas de message ici. Je voulais faire plein de trucs aujourd'hui, notamment... Alors, on avait dit, oui, là, on a une espèce de clé. Clé pour ouvrir les portes de gobelins, là, je voulais aller faire ça. Et je voulais faire autre chose aussi, mais j'ai complètement oublié, quoi. Aussi, essayer de voir si on trouve notre ami Ra, là. Donc, j'ai oublié le nom, malheureusement. Oh, attendez. On a 3 pierres de forge. Oh. Oh, oh, oh. Intéressant, ça. Hein. Ouais, donc on va commencer par faire ça avant de revenir ici pour continuer notre exploration de la péninsule au nord. Enfin, péninsule du... Cap, disons. Ouais. En tout cas, ça fait fort longtemps que je vous ai pas demandé, mais j'espère, bien sûr, que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou soirée. Et j'espère que vous allez passer un bon moment
en ma compagnie. Encore une fois, à l'heure où je vous parle, j'ai record bien sûr, mais je n'ai toujours pas monté les épisodes. Donc voilà, je ne sais toujours pas si je vais vous infliger des épisodes de 2 heures, de 3, ou si je vais trouver une balance. Mais ouais, hein, comme dit, vu que c'est un jeu qui prend énormément de ma concentration, énormément de mon intellect, disons, et tout, je passe moins de temps, bien sûr, à lire de la merde et à faire des conneries. Donc je me dis que potentiellement, pour parer à ça, on va faire des gameplays un peu plus longs, pour qu'il y ait au moins plus de choses à voir, plus de choses divertissantes, si mon commentaire à lui seul ne suffit pas. Enfin, c'est difficile à dire, hein, parce que quand je joue, je me rends pas forcément compte. Bref, Brumorvue, oui, bah oui. Alors, nous avions cette fameuse clé pour casser, donc je crois, ces statues de gobelins. Voyons voir. Clé, lame de pierre, c'est bien ça. Utilisons-la. Comment ça? C'est autre chose? Oh, on commence sur un grand moment. C'est pas ça? Clé lame de pierre ayant la forme d'une épée, brise le sceau des statues de gobelins, mais demeure encastré dans la fente, ce qui en fait un objet d'utilisation unique. Réfléchissez bien avant de vous en servir. Ah, tu veux dire que il faut que je l'équipe, je pense. On va le mettre là. On est d'accord que je l'ai, l'item, hein. Je me demande si c'est pas, il faut plusieurs parties et on peut avoir une vraie clé. Là, le truc s'appelle clé, c'est ça le souci, hein, mais visiblement il n'a pas l'air d'avoir envie de me permettre de l'utiliser. Bah merde. J'étais saucé moi, je voulais aller de l'autre côté. Oh. Bah plus tard j'imagine, on verra. Ça reste une troupe en mouvement, hein. On verra plus tard si je peux en faire quelque chose de ça. Là, je suis extrêmement déçu. Pour moi, j'allais enfin voir ce qu'il y avait derrière ce truc et le choper tout simplement, mais non, tristesse. Autre chose que je voulais voir, mais d'abord, ouais, au moins, je pense continuer notre exploration vers le nord. Je voulais voir si on pouvait tâter maintenant le gros cavalier que nous avait refait le fion au tout début. Maintenant qu'on a un cheval. Je me demande si c'est pas envisageable. On va voir ça, hein, bien sûr. Mais d'abord, cap au nord. Waouh, un arbre. Alors, on avait traversé ce. J'avais complètement oublié. Oh putain, j'étais en train de me dire que ça sentait mauvais cette histoire. Allez, viens de battre. Moi, la racaille au cimetière. Ok. On y va. Alors, j'ai un peu envie de revoir en contrebas. Si j'ai raté des choses, ou si vraiment le truc se passe vraiment ici, maintenant. Oups. Bon, bah, tant qu'on y est, hein. J'ai eu entièrement confiance, hein. Le jeu m'a dit qu'il n'y avait pas de dégâts de chute quand on prenait les torrents. Je l'ai complètement cru. Hein. Ah, bâtard. Je suis pas du bon côté du cheval. Voilà. Oh là, t'as l'espoir toi. Ah, bâtard. Il a pas que de l'espoir, hein. Il a pas que de l'espoir, il a un rêve aussi. Putain, dès que je me la pète un peu trop, ça finit mal, hein. Alors, où diable ai-je chu? Il y a des ruines là aussi. On va se les faire. T'as pas de pote à appeler là, hein. Ils font dodo.
Ok, donc là-bas, c'est de là où on a combattu le chaman, hein, dans l'espèce de chapelle de fortune. Par contre, cette partie des ruines, je suis pas sûr qu'on les ait vues. Oh, mais c'est un hibou. Je te laisse tranquille. Oula. Que diable. Ah, mais non, c'est ici. C'est ici qu'on a combattu le gros monstre qui était un semi-boss. En plus d'être une semi-bête. Un semi-boss. ça a l'air de s'arrêter là-bas, hein, le terrain. Ouais, visiblement... Oh là! Non, c'est un arbre. Tout va bien. Il y a un item ici, ceci dit. Il y a des fleurs là-haut. Il y a des fleurs qui entourent cet item. Oh merde, j'avais oublié mon truc inutile. Ah oui, c'est vrai qu'il se balade. Ok, cool. Cool. L'arme de cristal noueuse de foie. C'est un objet clé. Qui sert à quoi? Oh putain, la map qui ne se ferme pas avec le bon bouton qui sert à l'ouvrir. Ah, ma manette aussi, rappelons-le. Plein de moments fun. Dans une fiole, améliore temporairement la foie. Putain, tristesse. L'arbre de cristal se formant au terme de plusieurs siècles à l'endroit où tombent les dons de l'arbre monde. Il peut se mélanger dans une fiole de salut miraculeux, le truc qu'on cherche au bois là. Détection, la décoction finale augmente temporairement la foi. Ah, tout ça pour de la foi du coup, tout ça pour jouer cléric. Me voilà fort dépourvu. Et donc là, que dalle, hein, juste la mort en bas si on saute. Soit, montons. Hourra pour cheval! Récupérons toutes les runes qu'on peut aussi sur le chemin. Après tout, il nous en faut plein. Nous avons 18 points en force à investir. Waouh, le stunlock. Oula. Je sais pas pourquoi je le tue, mais... Bah oui. T'as pas l'impression de le cheater, tiens. Et là, maintenant, il va s'entourer de spores pendant 20 minutes. Donc là, on attend. On va lire le message. Objet précieux droit devant. Ah ouais. Mais dans quel sens? Ah ouais, dans un open world, il faut mettre des flèches. Mais ouais, ce que je disais déjà... Je l'ai dit en privé, je l'ai pas dit à la caméra, mais... c'est fou comme peu importe où que j'aille dans le jeu pour l'instant, à chaque fois je tombe sur un event. Genre le world est open, comme je disais, pour... Le monde est vraiment ouvert de fou, mais rempli de tout un tas de petits trucs. Et c'est honnêtement ultra bien. Genre là, je me suis baladé dans la forêt, je suis tombé sur la ruine avec un chaman qui... m'a donné un item de mage et qui m'a donné un nouveau spell et voilà. Et si ça se trouve, ça serait ma nouvelle arme de prédilection si je joue à mage. Genre, et ça fait un peu lore aussi. Voilà, on a un petit clan d'hommes bêtes reculés dans la forêt, comme ceux qu'on a rencontrés plus tôt sur la côte. Enfin, en termes de world building, il y a énormément de choses. Pareil, les chevaliers de Godric qui affrontent les hommes bêtes un peu partout, on en déduit que c'est un fléau qu'ils combattent assez souvent. Puisque les hommes bêtes sont assez proéminents dans la région. Et on est sur le territoire de Godric, puisque son château est juste là. Et ses soldats patrouillent littéralement partout. Et il a l'air d'avoir une troisième faction aussi, les espèces de barbares là. Qui ont l'air d'être des mercenaires. Donc j'imagine qu'ils servent de main d'œuvre à Godric. Mais il y a aussi ouais, tous les paysans, hein, tous les vieux soldats tout pourris morts-vivants là, qui eux semblent être bah, juste le peuple, qui peuple la Nécrolimbe. J'imagine que c'est les sujets de Godric. Après, de ce que j'ai compris, Godric n'avait ses droits de...
de l'ordre, on va dire, que parce que c'était un des fils de la Mikala, je crois. Non, Mikala, c'est la déesse. Celle qui régnait quand l'Elden Ring était entier. Et qui, une fois qu'elle a disparu, quand l'Elden Ring a été brisé... alors, je sais plus si c'est un des fils qui a juste été mis à mort une fois la disparition de la reine. Ou si c'est un de ceux qui a pris un des éclats pour acquérir la puissance. Ou les deux. Peut-être que c'était un des fils de la reine et que une fois l'éclat brisé, il a pris un des... Et une fois l'anneau brisé, il a pris un des éclats pour tout simplement acquérir la puissance qui lui manquait. J'avoue que je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que l'histoire nous disait qu'il avait été mis à mort. Qu'il avait été... qu'il avait mal fini, du moins. Et donc là, vu qu'on est dans ce que je suppose être l'entre-deux-mondes, ni totalement dans le monde des vivants, ni dans le monde des morts, eh bien, j'imagine que c'est pour ça que ces soldats et tout sont ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. Tu veux quelque chose? Tu veux me donner quelque chose? Le gardien des portes est guide pour ceux qui retournent aux racines. Ok. Eh ben écoute, gardien des portes, merci. Je vais aller voir. C'est vrai que ce truc-là m'intéressait de base, mais... Oh, il y a une énorme zone derrière aussi, là. Mais non, on va d'abord aller sur la péninsule. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Est-ce qu'il y a un énorme ours intuable qui va m'attendre? Peut-être. Porte droit devant. Oui, je la vois. À mon avis, ça va être sombre. Voyons voir. Oui, c'est le gardien des portes. Évidemment qu'il va me guider à une porte. Ouh. Voyons voir. Et une grâce, déjà. Oh non. Catacombe. Les catacombes du Val-aux-Tombes. Aïe, 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 aïe. Quelque chose me dit que ça va pas être des bonnes vibes. Hein. Quelque chose me dit que là, ça va être des zombies... Enfin, des morts... Des squelettes qui reviennent à la vie et qui va me falloir du sacré pour me les faire. Le fameux sacré dont je parlais un peu plus tôt. Il me faut un bouclier aussi, qu'est-ce que je fais là? On va essayer celui-là, là. Il peut pas faire de parade, mais on peut. On n'a pas vraiment eu l'occasion d'essayer le délire de charger. Voyons voir. Ah bah je peux pas. Oula! Il y a un statut qui vient de m'arriver dessus direct là. Ok, donc il y a un item. Et les fameux squelettes. Tu m'attaques? Non. Oh. Ils ont la même animation que... Mais là, ça marche! D'accord. Donc j'avais pas le droit d'utiliser le premier truc si j'avais pas la clé, je pense. C'était que la clé de départ qui permettait d'avoir la première section. Bon, eh bien, allons-y, hein. On va voir déjà s'il se relève, je pense. Si c'est comme Dark Souls 1. Oh, il est gros! Ah ouais! Ouais, il se relève. Ouais, c'est confirmé, faut trouver un nécromancien. Si ça fonctionne comme manuel de guerrier, ok, cool. Oh, ça va mal se passer, il se relève vite en plus. Bon, dépêchons-nous de voir si on trouve, si on entend une cloche déjà. Deux secondes. T'es un gamin. Ouah. Je me tire. D'abord, il faut tester la théorie du sacré. Parce que ça se trouve, ça ne marche pas. Ouh, ok. Craftons ces fameuses fioles. Est-ce que j'ai beaucoup? Je ne sais pas. On va en faire une. Il nous faut des champignons et des tournesols. Ah putain, c'est les tournesols qui vont. À proximité d'arbrement de mineurs. Ah d'accord. Bonne info. Faisons-en une. Équipons-la. Et voyons voir, tout simplement. Hein, si je peux bannir un des deux morts. De tes morts. Ceci dit, déjà, ils sont pas aggro.
peut peut-être progresser un peu plus. Ah oui, que m'a appris le guerrier là n'importe quoi, le manuel. Manuel. C'était le 3, je crois que j'ai eu. Non, le 9, oh mon dieu. Alors ça, c'était flèche en os, ok. Peau de rancœur. Qu'est-ce que le peau de rancœur? Peau, ça serait ça. Des violettes funéraires et des fragments d'os humains. Consomme des points de compétence à lancer pour invoquer des esprits vengeurs. Fleurit dans les cimetières. D'accord. En traquant les non-morts. Oui, donc ouais, les mecs qui sont pas encore... désombés. Il y avait un mec qui s'était relevé ici? Ou c'était juste les deux autres qui me suivaient? Je ne sais pas. Allez. Oh putain, la peur. Je peux pas le lire. Ça attrape. Haha, habile. Il y a une autre catacombe ici. Frappe nécessaire droit devant. J'entends un truc marcher. Je vous avoue que je suis pas chaud. Putain. Ok. J'ai un peu envie de tester l'eau bénite. Oula! Mickey mortifère, cool. T'as pas l'impression d'abuser, toi? Au! Culé! Ok, confirmé. Alors là, difficile de confirmer plus visuellement que ça. Ok. Donc on peut totalement, si on s'arme de plusieurs obénites ou si on arrive à enchanter une arme aussi, et lui faire en sorte qu'elle donne des dégâts sacrés. Bon, ça c'est pas pour tout de suite, hein, mais... Ouais, parce que là, voilà, vous allez voir que je vais vite me retrouver... bloqué, parce que je peux juste pas tuer les ennemis. Donc on va se dépêcher. Est-ce qu'il y a un écrou? Ou un truc, comme dans le premier Dark Souls? Meute, mais pourquoi? Oh putain. Il y a probablement un écrou. On va essayer de le trouver en mode YOLO, AMG 2600 âmes. Ah ouais, non, c'est mort. Je reviendrai plus tard. Je m'armerai d'obélite et... Ah, il a des flèches. Je me tire. Ouais, non. Ça, c'est mort. Je vais pas m'amuser à ça. Il nous faut juste des champignons et des tournesols. Je suis sûr qu'on peut en avoir plein des tournesols. Je suis même sûr qu'on peut atteindre un des arbres monde mineur assez vite, là. Pour nous en faire un stock. Ok, à noter, on va bien sûr le mettre sur la map, sait-on jamais si je m'arrête de jouer pendant une période. Non, on va même mettre ça en mode eau bénite, voilà. Est-ce qu'on peut changer la couleur des repères? C'est ça que je voulais voir aussi. Je ne pense pas. Hein. Peut-être qu'il y a moyen, genre, attendez. Non. Non, y a pas moyen. Enfin, y a peut-être moyen, mais je l'ai pas dans... Je l'ai pas. Donc, il faut qu'on trouve un arbre mineur. Je crois qu'à l'extérieur, on pouvait en repérer un. Putain, cool. Y a tellement de choses, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Et je suis content de retrouver des catacombes. C'était une de mes sections préférées dans Dark Souls 1. Parce que c'était un enfer absolu. À chaque fois, on y passait des heures et des heures. Pour enfin arriver au fond, et au final, il y a une autre zone encore plus infâme, plongée dans le noir, la tombe des géants. C'était... Ah ! Un enfer absolu. Non mais laisse-moi parler, putain, mais nom de Dieu, quoi. J'aime bien le coup de shield. J'aime bien le coup de shield, mais c'est lent, et je préfère parer, honnêtement. Donc on va récupérer notre bon vieux shield tout pourri en bois. Un jour, on aura un autre shield. Hein. Un jour, on pourra peut-être parer au cimetière aussi. Ce serait cool d'apprendre les cendres de parade. Comme ça, je pourrais me battre avec le croc du limier et une dague de parade en off-end. Je pourrais plus parer du tout. Enfin, je pourrais plus que faire des paris. Je pourrais pas me protéger si je fais ça, mais on ne vit qu'une fois. Hein. alors. Le but du jeu, c'était de trouver... Ah bah voilà, ok. Oui, l'arbre. Là-bas. On va essayer de se diriger vers l'arbre, voir si on trouve beaucoup de tournesols.
À mon avis, il sera pas tout seul aussi parce que ça a l'air d'être un truc un peu important. Oh, il y a un pot, il y a des pots. Oh mon dieu. Waouh. Ouais. On va essayer de se faire un peu un stock de tournesol. Quelque chose d'incroyable droit devant. Il a peut-être raison en plus cette fois. Pour une fois. Il a peut-être raison. Mais comment on pourrait remonter après? Avec le cheval? Peut-être. On va d'abord essayer de se diriger par là. Il y a un trou là, c'est quoi? Oh mon dieu, on peut invoquer les loups. Ça sent mauvais. Attendez, j'essaie juste de voir si on peut descendre et remonter après. Ah bon bah, on va falloir trouver de la manière forte. Bonjour, je suis le nouveau voisin. Ouya! Ouya! Ah, ils vont peut-être enculer. Ok. De la viande, cool. Je suis sûr qu'il n'y a rien. Je suis sûr que je me suis fait bait comme le dernier des cons. Sauf s'il fallait descendre en plusieurs fois, ce qui est possible aussi. Mais oh, j'ai d'as. Oh, il y a une grâce. Il y a une grâce. Au pire, je pourrais me re-TP. Saut nécessaire. Non, je ne pense pas. Oh, il y a un mec là. C'est un ennemi. Je peux pas le cibler. Attendez, on va essayer de. Oh, on peut pas. Putain. Est-ce que c'est un ennemi? Oh, c'est un truc mort surtout. Ok. Un shield. Oh. L'écu de l'éclipse. Voyons voir. Petit écu de la petite éclipse. Aucune compétence. Oh, par contre. Pff, il est bien mieux en tout, hein. Moi, il pèse plus lourd, mais mais il est bien mieux en tout, hein. Et pas qu'un peu, hein. Je peux plus parier, mais Ah, peut-être qu'un un jour, on va trouver le pari. Parce que là, c'est vrai que le pari n'est que sur les tout petits shields. Il est pas sur les gros, c'est un peu étrange. On va mettre ça, hein. Je pense, hein, là, que là, on va avoir un vrai shield, hein. La torche. On va garder ça. La torche, on va la déséquiper au cas où. Voilà, on aura juste à la remettre si on tombe sur un. J'arrive pas à parler. Oh, j'ai failli tomber. Si on tombe sur un. Une caverne, tout simplement. Mais ouais. Bon, on va aller voir la grâce là-bas. Petit shield, pas mal ça. Hein. On a une bonne upgrade en termes de parade. Il faudrait qu'on trouve une upgrade armure aussi. Ça commence à être un peu nécessaire. Oh, mais... Oh. Ah. Comment vous dire que je pensais que je survivais à la chute? Avec le double saut. Comment vous dire que là, je suis fort déçu? Toutes mes âmes sont en bas. Ok. Ok. Il faut que je trouve un moyen de descendre et de récupérer mes âmes. Ok. Super. Ah, je suis tellement dégoûté. Tout ça pour des tournesols à la base, hein. Ah, mais attendez, elles sont mes runes. Ah, putain de ta mère. Au pire, je TP avec. Ouais. Attendez. Hop, on se saut, c'est qu'on peut le faire. Voilà. Non, mais chut. Voilà. Et là, on peut pas. Genre même sur le caillou, là. Oh, vous savez que je suis un gros con et que je vais essayer quand même, hein. Voilà. Tout simplement. Wouh. Ok, cool. Alors, on est dans une zone du jeu... maison. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc à cloche, là? Il apparaît sur les... Sur les écrans de chargement. Maison droit devant, donc j'imagine que tu parles de ça. Oh. Wow, et ça se déplace en plus. Oh, je suis sûr qu'il faut monter dessus. Oh mon dieu. Plus tard la cloche, hein.
Je pense plus tard à la cloche. C'est clairement pas là que je voulais aller au début. Mais ça m'intrigue. Je dois vous l'avouer que ça m'intrigue. Désolé, faisons-nous toucher par la grâce. Hop, j'essaie de double jump comme si j'étais un cheval. Wow. Je pense... Vous pensez qu'on peut le tuer ce truc-là? Genre en tapant les pieds, il se met à tomber et on peut ensuite accéder au truc sur son dos? Il y a moyen, hein. Oh ouais, mais non, j'ai pas le temps pour ça. Hein. On va se retaper au catacombe. Et puis on va aller au nord de la péninsule. J'avais dit qu'on ferait ça, et voilà. Parce que là... on sidetrack. Je sidetrack sur le sidetrack. C'est pas bon. Enfin si, c'est bon. Le jeu est trop bon. C'est trop bien qu'on puisse passer son temps à explo. Mais oui, voilà, peut-être qu'un jour on va trouver aussi... Attends, j'ai combien de... 2800. Peut-être qu'un jour on va trouver... Comment dire, une armure, parce que là pour l'instant on trouve énormément d'armes, de spells et ce genre de choses. Oui, pardon, mais c'est vrai qu'on trouve pas vraiment d'armure. On en a trouvé quoi? On a trouvé un torse en tuant les mecs là. Oh la vache, il manque que dalle. Attendez, on va sécuriser le level up au cas où je meurs, ce qui est fort probable. Alors, on remet de la force, plus que 2 points, et on pourra manier le croc de limier, et ça je suis trop saucé. Après on va commencer à mettre des points dans l'endurance et la santé, surtout, avant de maxer un peu plus les stats principales. De toute façon avec 18 de force et de dextérité, je pense qu'on pourra aisément manier presque tout. Sauf les armes vraiment vraiment axées force, mais c'est pas notre but. Qu'est-ce que... Tu vis sous terre ? Oh, bâtard. Je sais pas qui vous êtes, vous, les espèces d'hommes arbres, là, mais... Je vous ai rien fait, moi. Je sais pas pourquoi vous me... vous attaquez à vue, comme ça. Peut-être que vous avez l'habitude qu'on s'en prenne à votre belle forêt. Mais c'est pas ma guerre, hein. Ok. Waouh. Ah oui, j'ai complètement oublié d'aller chercher les tournesols, aussi, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vise la péninsule d'abord, comme c'était l'objectif premier de cette session? Et ensuite, on va essayer de trouver des tournesols pour éventuellement se faire des obénites, pour éventuellement s'attaquer à la catacombe. Ça me paraît être un plan. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, rien que je ne puisse tacler moi-même, mais quand même. On va les laisser approcher un petit peu. Ah, ça aussi. Moi, c'est le prêtre que je veux. J'ai eu tout le monde sauf le prêtre. Ah ! Ok, ce shield a déjà été validé. Là, ils rebondissent dessus, ils passent pas à travers. Nice ! Trop cool. Trop cool. Alors, qu'est-ce qui nous... Oh là là, mais pff, regardez-moi ça. C'est magnifique. Qu'est-ce que cet endroit nous réserve? Il y a un truc qui brille. Je crois que c'est un joueur, mais je suis pas sûr. Non, ça c'est un joueur. Qu'est-ce que cette petite chapelle nous réserve? Objet précieux. Je vois déjà ça ici, là. Oh, un cimetière. On nous a dit qu'on trouvait une certaine fleur importante dans les cimetières. Non, ça c'est l'esquive. Oh! Oh pardon! Oh, je voulais pas te réveiller. Et... Oh, il meurt pas pour de vrai. Oh merde. Changeons de plan. 2 secondes, on se parle juste après. Hein. D'abord, je vais me faire toucher par la grâce. Ah! Laisse-moi! Non! Putain! Oh, il va me faire une arme bénite, vous le savez. Mais comment ça fait? Mais elle est où la grâce? Parce que je suis en combat? Oh, putain! L'arme de vie. Oh, tu m'as saoulé.
T'as pas idée à quel point tu m'as saoulé. Oh, je me tire. On va essayer de se bloquer quelque part. En attendant que ça se calme. Il y a un mec là-haut aussi. Vous m'avez perdu de vue. Ok. C'est quoi l'alarme de vie? Améliore la puissance de la fiole sacrée. Oh! C'est pas ça. C'est ça les fioles sacrées? Dis-moi que oui. Dis-moi que je viens de trouver une... Ah, c'était quoi le... l'item de Dark Souls pour améliorer les... Oh oui! Oh oui! Oh, dis-moi que c'est ça. Dis-moi que je suis pas en train de me faire ultra bait. Y'a moyen, hein. Bon, déjà, on va en utiliser une, y'a aucune raison. Il y avait un mec là-haut, on va lui parler. Si, il est doué de parole. Ce sont des oiseaux, une fois de plus. Je me fais souvent avoir. Oh, c'est des gros oiseaux. Il me faut des plumes de temps en temps, désolé. Tout d'abord, magnifique. Exactement. Exactement. Ouais, il va potentiellement me falloir une arme sacrée pour tous ces connards, hein. Parce que les obénites, ça va 5 minutes, mais... Mais attendez, du coup, la fiole sacrée dont il parle, c'était les bois brumeux que je viens de traverser, là? Et ça m'a juste pas prévenu? Attendez. Ça, là. Une fiole de salut miraculeux demeure en la troisième église de Marika. La troisième église de Marika. Église des pèlerins. Ouais, non, c'est pas ça. Hein. J'aimerais juste parler à votre responsable. Mausolée est en chasse. Il abrite en son sein le demi-dieu sans âme. Le mausolée est en chasse. Il abrite en sein le deuxième dieu, le demi-dieu sans âme. Le mausolée, tu parles des catacombes? T'as l'air d'avoir une certaine rancœur contre ça. Ça se pense c'est prévu, hein. Je vais aller vider les catacombes, c'est sûr et certain. D'abord, on se repose. On voit si on peut améliorer nos fioles. Ce serait ouf. Montre-moi. Oh, tiens, on peut te parler ici. Ça fait longtemps. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Bien sûr. In Marika's own words. Then, after thy death, I will give back what I once claimed. Return to the lands between, wage war, and brandish the Elden Ring. D'accord. Grow strong in the face of death, warriors of my lord, Lord Godfrey. De ce que je comprends, c'est une espèce de Valhalla, le truc où on est en fait. Genre, elle nous rend notre liberté. Techniquement, une fois qu'on est mort, dans ce royaume qui est entre la mort et le monde des vivants, pour qu'on aille récupérer l'Elden Ring. Alors peut-être que l'anneau d'Elden ou le cercle d'Elden est quelque chose de partiellement vivant, et que du coup, une fois brisé, il s'est retrouvé dans cet univers, et elle veut qu'on le. Elle nous envoie pour le récupérer. Peut-être que c'est complètement autre chose. Peut-être qu'il a changé de strat, d'univers ou que sais-je. Voyons voir les fioles. Ajouter une améliorer les fioles, répartir les deux, améliorer les fioles. Utiliser une larme de vie pour augmenter la quantité de PV. Ah, ça augmente les deux. Oui. Oh oui. Répartir les doses. Oh mon dieu. Vous pouvez répartir le nombre d'utilisations de chacune de vos fioles. Oh mon dieu. Donc, je peux en avoir 4, mais plus avoir aucune fiole bleue. Sauf que ça me sert quand même les fioles bleues. Bah, ça me sert que pour les loups, hein, en vrai. Mais après, ça me servira bien plus quand j'aurai la technique... Oh mon dieu! Quand j'aurai la technique du croc de limier. Donc on va rester comme ça, on va pas s'habituer à avoir 4 fioles si on retourne à... Ajouter une dose. Il faut une graine dorée. Pour augmenter... Ah, d'accord, les graines dorées, c'est pour avoir une fiole de plus. Et les larmes de vie pour améliorer leur... Oh, c'est trop bien. Merci, Belina. Non, c'est toujours pas le bon, voilà. Hein. Équipement. Elles sont plus 1 maintenant. Yes! Yes! Trop bien! Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien! Alors, il y avait autre chose ici à part l'alarme de vie, je ne pense pas. C'est déjà beaucoup, hein, on va pas...
centipèdes dorés. Il y en a plein. À quoi que ça sert? À quoi ils servent les centipèdes? Ah oui, ça. Graisse sanguine. Enduit l'arme et lui confère un effet de saignement. Ouh. On va l'équiper, ça. On va l'équiper à la place de ça parce qu'on en a plus. Ça peut servir ça. Si on tombe sur un ennemi un peu tanky, on va passer sur des éléments pour. Par exemple, l'ours. En vrai. Si on avait un effet de saignement sur l'ours d'un coup, ça serait bien plus facile. Hein. En plus, on a amélioré nos heals. On n'en a pas plus, mais on se soigne plus fort. Et on a un meilleur shield aussi. L'ours est peut-être envisageable hein, maintenant. Oui, non, les centipèdes. Centipèdes. Voilà, là. Alors, on va voir. Cadavre doré desséché d'un centipède. Les fondamentalistes de l'ordre d'or et tout particulièrement les chasseurs de démons morts les conservent en tant que fétiche. C'est pourquoi on en trouve surtout près des églises et autres lieux de culte. Chasseurs de démons morts. L'ordre d'or, d'accord. Oui, allons quand même essayer de trouver ces fameux tournesols. Voir si on peut en choper pas mal au niveau de l'arbre monde. Enfin, les catacombes. Je pense qu'on peut pas aller plus loin que ça. Je pense quand même que le brouillard, c'est la limite, mais mais ouais, on va essayer de se procurer des... Après, il y a peut-être des trucs dans le... Il y a peut-être des trucs dans le cimetière aussi, hein. Je suis en train de me barrer, mais j'ai un petit peu envie de voir s'il n'y a pas des trucs cachés dans le cimetière. Bah tiens, par exemple. Salut. Je viens juste piller tes tombes. Hein. Tu m'as absolument pas vu. T'es aveugle, de toute façon t'as pas d'yeux, donc... Moi aussi il m'a vu, hein. Bouclier en fer doré. Bah tu sais quoi, je vais juste me balader, hein. Prendre tout ce qui est prenable, tel un chien, et me tirer, vite fait, de cette bourgade. Oh, oh, oh. Nope. Je me tire. Allez, salut. C'est un gros, lui, hein. Ah non, pas du tout. Ouais, t'es gros. Ok. Je me casse. Allez, salut. J'arrive pas. Allez, plein d'os. Rappelons qu'il y a un dragon à se faire aussi, donc il nous faudra des flèches. Fragment de ruine, on sait toujours pas trop à quoi ça sert, mais on va pas se plaindre. On pouvait tout simplement descendre là. Oh là, je me déteste. Bref, allons chercher ces foutus sur le sol. Alors, on pouvait invoquer ici, hein, donc il y a potentiellement un boss. Ce qui serait cet énorme truc au milieu. C'est fort probable. Mais ce qui est fort probable aussi, c'est que... Ah ouais, non, c'est totalement un boss, ça. Hein. On va éviter de s'approcher trop. On va voir si on trouve des tournesols. Sans avoir à rentrer dans l'arène de ce truc. Oh, c'est totalement un boss, putain. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas le voir la première fois. Tournesol? Non. Arbre monde mineur. Bon, au cas où on n'était pas sûr. Ok. On peut le cibler. Oh, attends, le sol. Hop. Il prie juste après. Hein. Si on le dérange pas. Brassard de gardien. Oh. Dis-moi plus. Dis-moi plus. Ça pèse plus lourd, mais c'est mieux en tout. On va l'équiper. Ça pèse plus lourd. Après, voilà. À peser plus lourd, normalement, nos roulades seront un peu plus lentes. C'est pas grave. Pour l'instant, on a besoin de tanker un peu plus. On verra plus tard quand il s'agira d'être plus agile. Ok, j'ai trouvé un tournesol pour l'instant. Un autre, oh oui. J'entends un bruit. C'est peut-être une cendre de mémoire, vous le savez. Où est-ce qu'il est? Je t'entends, mais ne te vois. Dans le sol. Miam. C'est rigolo, ils sont tous tournés vers l'arbre monde du coup. Ok, c'est une rouge. Bruit étrange.
C'est un qui remplit les fioles, ça. Hein. Quoique hybride doré. Oh, le bâtard. Ça a l'air d'être un chant que j'entends, là. C'est totalement un chant. Deux secondes, je tue un bousier. Ouais, totalement un truc qui chante. Je fais mon plein de tournesol. On verra pour le gros big boy plus tard. Il n'y a pas plus de tournesol, là. Là, voilà. Hop. Il est gros, quand même. Hein. C'est encore un homme arbre. Qui vénère l'arbre monde. C'est peut-être des gars qui ont des racines de l'arbre monde qui leur poussent dessus. Genre qui sont... comment dire, mis un germe ou un rameau dans le corps pour étendre ses racines. C'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs arbres au monde. Je sais pas, c'est de la théorie, hein. Il y a aucun moyen de le savoir là pour le coup. Le coup était maudit par l'arbre, peut-être que c'est pas un bon truc l'arbre. Champignons. Bon, il nous donne pas mal de champignons et de tournesol, hein, et c'est prévu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tortue! Non. Pas de tournesol. J'ai envie d'aller vers le chant. Hein, parce que j'aime la musique. Oh putain, il y a beaucoup de taches de sang. C'est ce truc-là. C'est une reine harpie ou sirène? Wow, il est passé au-dessus du shield, quoi. Allez, ferme ta gueule. Oh, il y en a un autre. Ouïa ! Raté. Ouïa ! Tu triches, tu voles ! Merde. Ok, ils sont faibles. Lacryma, machin, tout ça. Opéra, tout ça. J'ai un peu envie de lui tomber dessus. Je vous avoue. Ils vont me dire attaque sautée, là. Et c'est amant. Et le mineur devant. Bon. C'est toi, là? Elle chante plus. Vous savez que j'ai complètement raté mon attaque sautée, hein. Wouah, le poison. Merde. J'ai un antidote, normalement. J'ai jamais équipé. Fuck. Ok. Oh, elle grappe! Oh! Oh! Oh, bah dis donc, c'est pas gentil du tout, ça! Oh, c'est pas gentil du tout! Sur l'échelle de la gentillesse, on est vers le bas, hein! Oh, c'était si loin! Bon, du coup, on pourra, vu qu'on est mort, les tournesols auront respawn, c'est au moins une bonne chose. Attends, mais déjà, je voudrais me faire la petite harpie toute pourrie hein, avant de me faire le gros big boy qui a rien demandé à personne. Oh oui! Oh. Chaque tournesol, c'est un mort-vivant. Un mort-vivant mort. Il faut garder ça à l'esprit. Wouah, vous êtes nombreux quand même. Hein. Wouah, il y a un feu là-bas! Non, chaque chose en son temps. Tu veux te la mettre? Allez, viens. Que ce chant soit ton oraison funèbre. Oh merde. Moins 2. Moins 3. Ok. Bon. Pas l'air d'avoir d'item. Oh mais y'a... Oh mais c'est... Non d'accord, je veux dire, il y a une grâce, mais non, c'est juste mes runes. Ce qui est juste important. Donc prenons-la quand même. Hop. Oh oh, coquin.
T'as cru quoi là, hein? Reste à terre. Bruit au bruit. Attention aux champignons. Essayez de saut. Non mais arrête. Est-ce qu'il me reste des grenades? Nine. Ok. Hop. Tu vas pas descendre tes enfants, défendre tes enfants. Tu vas me laisser faire ça. Oh. Fiu. Quoi? Fiu. Fiu. Putain, tant de fléchettes gâchées. Allez, viens. Y'a de la mettre là. Faut que je fasse gaffe, hein, le bord de la falaise est juste là. Ok, elle arrive. Ok. Et toi maintenant, que t'es toute seule, je vais essayer de te tomber dessus. C'est pas garanti que j'y arrive, mais je vais essayer. Si vous avez déjà joué à Monster Hunter ou Dark Souls, vous saurez que c'est une tactique valable. Genre là. Oh putain, raté. Oh putain, j'ai complètement loupé. Oh bah voilà. Oh, beaucoup de runes là. Oh. Oh non, une rune de récise, pardon. Oula. Ok. Ok, je pense que ça valait le coup juste pour les runes. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Oh, j'ai rien dit. De la tranche, de la viande, de la tranche. cool, cool, cool. La brume. Essayons de nous diriger vers l'incendie qui va là-bas. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous avez foutu? Satané en bête! Rebellia! Ya! Mécréant, il y a un peu un côté napoléonien de juste passer à côté en cheval et de mettre un petit coup et les one-shot. Genre. Ah ouais, du coup plein de papillons, bien vu. Et oui, les papillons se baladent près des incendies. Et même deviennent l'incendie, vu que visiblement ce sont des papillons en feu. Pierre de sanctuaire. Ouh. Qu'est-ce que c'est que les pierres de sanctuaire? Trop rarement auprès des ruines tombées du ciel. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend parler de runes tombées du ciel. Fragments de pierre rares trouvés là où les runes sont tombées du ciel. Matériau servant à fabriquer des objets. Leur éclat alimente et renforce la lumière. Ah, pour les armes sacrées peut-être. Enfin, peut-être que s'il se déplace suffisamment, on peut lui monter dessus directement à la tortue cloche là. Peut-être. Il a l'air d'avoir un item en contrebas là, je viens de le voir. Ouais, il y en a pas mal les pierres de sanctuaire ici. Cool. Cool, cool, cool. Mushroom. 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 Cool. Oh, bah ça c'est pas cool, je me suis couru le bouton. Ce serait bien qu'on trouve une grâce. Je dois vous l'avouer. J'entends un truc. On va pas y aller trop vite parce que je l'entends, mais je la vois pas. Ça là, le truc où il y a toutes les zones tentacules. Attendez. Hop. Totalement. C'est bien gardé, ça doit être important. Ça doit être important. Mais quel est donc cet item mystérieux? Vaut-il vraiment la peine d'être gardé par autant de monstres à tentacules? Est-il vraiment aussi important? Honnêtement, non, je crois que non, je me souviens même plus ce que c'est en fait. Vous aurez la réponse dans le prochain épisode.